Hey, hello les viewers, c'est Sullivan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft avec comme but de s'amuser sur le mode fun, c'est de construire aussi. Donc voilà, le samedi construction dans les commentaires de cette vidéo, comme l'autre vidéo, il y a eu zéro commentaire à propos des constructions. Donc le samedi construction, la première vidéo, c'est ce samedi. Si vous voulez n'importe quelle construction, on passe à autre chose. Alors là, j'ai créé une map. Donc on va jouer sur le mode Flans. Flans, mode de guerre, c'est connu, voilà. Voilà. On lague pas. Voilà, c'est... Oh, peut-être que je lag un peu. Hein. Non, c'est bon. Quand même. Voilà, avec aussi le mode... 19 items pour pouvoir nous aider parce que c'est pas très pratique, c'est très pratique pour savoir les crafts. Voilà le craft du distributeur, le craft du distributeur, voilà, voilà comme ça. Puis après on peut savoir plein de choses, par exemple aussi normalement on peut enchanter. Alors inventaire. Bon, alors les sinon retour commande inventaire. Alors voilà, enchantement par exemple. Voilà, c'est P, j'arrive, je prends une épée, P, c'est de mon épée, P, après, ah non, ça c'est pour, non, ça c'est pour les enfants. Bon, alors, on va commencer à faire quelques trucs. Bon, j'ai aussi le mode custom NPC. Donc alors voilà, normalement j'ai pas de, non, j'ai rien de déjà sauvegardé, mais peut-être que ça va activer. Non, non, si, voilà. Alors j'ai quelques quelques personnages déjà sauvegardés. Et puis voilà, alors on va en prendre un, je vais vous montrer. Voilà. Et il nous en manque un, il nous manque. Alors, nous avons besoin de aussi. Voilà, vous avez vu, hey, petit rapport à petit trick pour GTA 5. Voilà, donc donc on va récupérer ça. Je ne comprends pas pourquoi il a juste lancé l'inventaire. Pourtant j'ai rien fait avant avec, si je les ai ouverts sur votre map. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier des armes. Des armes que je connais déjà, celles qu'on va modifier. Alors voilà, on va se mettre un petit truc tranquille. Alors, nous allons commencer par prendre déjà les ceux qui va nous servir à mettre des modifications sur les armes. Donc mettre, parfait. Là ensuite les armes, la première arme sera bien sûr c'est mes armes favorites, donc AK-47. Ensuite nous avons le laser rigole en or, ensuite le lance grenade, le L86, le L96,
le M16. M16. Ensuite, nous avons le minigun aussi, parce que c'est le minigun quand même. Ensuite, nous avons le Remington. Et en dernier, qu'on peut modifier, nous prenons. Là, c'est. Non. Cette arme est mal faite. D'autres armes sont mieux faites, et puis vraiment. C'est des modes cool. C'est un mode cool qui est très joli. Enfin, certaines armes ont un certain style. Et d'autres nous ressemblent un peu à. N'ont pas de texture en 3D. Donc alors la dernière arme sera qu'est-ce qu'on pourrait utiliser notre non voilà le M249 donc qui est une assez grosse arme on peut dire. Donc voilà, alors maintenant vu qu'on a déjà tout, on va aller chercher à chaque fois les munitions. Donc voilà, à 47 munitions. Ensuite, oh, ensuite des arrivées de munitions. Et elle, pisse. Non, voilà. Non, on ne les trouvera pas là, donc. Donc voilà, on va prendre des. Les scénarités pour changer parce que d'habitude je prends pas les scénarités tout de suite. Ouh, donc ensuite elle avec 86, elle 96, elle 16, le minigun bien sûr. Voilà, on va prendre les explosifs à mots. Remington et c'est bon. Remington, ah oui, et pardon. Et voilà. Et ben en fait pour le M16 on va pas prendre ces munitions là parce qu'il n'y en a pas assez, on va prendre le Beta Senag. Voilà, ensuite on va aller là. Alors là je vais, pour ceux qui savent pas, je vais vous apprendre à utiliser les modifieurs et. Alors par exemple on prend la K47 alors. Bon, en survie ce sera pas pareil, on vous demandera des colorants. J'en ai pas besoin, donc voilà, voilà la couleur que je préfère, c'est elle. Ça classe. Ensuite on peut rajouter, voilà, ici on peut rajouter, juste on a, nous n'avons pas le choix, nous pouvons rajouter ou pas, nous pouvons rajouter un silencieux, et ici au dessus on peut rajouter ces trois viseurs. Alors ce viseur là je trouve un peu pas mal. Ensuite ce viseur là qui est plutôt pour les fusils sniper, et ce viseur là qu'on va choisir hier, et on va mettre bien sûr le silencieux. Voilà, voilà, première arme modifiée. Ensuite on peut faire, là on va faire pareil pour, alors je connais déjà ce que je vais mettre. Bon, pour le désert régulier en or, pour les armes spéciales on ne peut pas changer de couleur, donc voilà. Ensuite là tout ce qu'on peut mettre, c'est, on peut pas changer de couleur pareil pour un grenade, mais on peut quand même mettre un viseur, donc on va mettre ce viseur là car je l'aime bien. Et du coup ensuite pour le L90 on va soit mettre une lumière, mais on va pas mettre de lumière, on va juste mettre le viseur, voilà, et changer de couleur, on va prendre en bleu. Ensuite le sniper on va le prendre en, on va le prendre en rouge parce que j'aime bien le rouge. Voilà. Alors, silencieux.
plus. Oui, on va lui mettre. Alors, 4 fois. Ensuite, le M16, et j'ai mon chat qui a débarqué. Donc ensuite le M16, là on va lui mettre 3, on peut lui mettre 3 modifiers. Ouais. Alors ça, moi, ces couleurs là, elles me font penser à Overwatch. Je sais pas à vous, mais moi elles me font penser à Overwatch. D'accord. Donc on va prendre. Donc on va prendre celle-là. Parce que voilà, j'ai toute place. Donc vous devez avoir entendu. Je sais pas si vous avez entendu les. On va rajouter les lumières aussi. Je sais pas si vous avez entendu mon chat maintenant dans mon lit. Ensuite le minigun, on peut changer de couleur, voilà, qui est Amérique, comme le drapeau derrière, et puis et oui, sur la dernière vidéo il y avait un commentaire très marrant que voilà, j'ai laissé un j'aime. J'ai pas répondu au commentaire parce que j'avais pas trop le temps. Alors ce n'est pas un drapeau terroriste. C'est un drapeau de l'Amérique. C'est juste que peut-être avec le retour caméra vous avez l'impression que. Enfin il est pas dans le bon sens. Normalement, je sais pas, j'ai pas regardé après la vidéo. Donc on va prendre cette couleur de l'Amérique comme j'ai mis à l'Amérique et pour mon drapeau est derrière. Ensuite, le Remington, on va changer de couleur, prendre ce viseur là et la lampe. Parce que ça fait classe. Et ça peut nous procurer de la lumière un peu mieux. Et ensuite là on va mettre aussi là la lampe et on va mettre ce viseur là, on va changer de couleur, voilà, et c'est bon, nous avons toutes nos armes modifiées. Et alors là je vais vous montrer, là je peux vous montrer dès à présent toutes les armes que j'ai choisi, qu'est-ce qu'elles font. Alors voilà, j'ai mis toutes les munitions sur les armes qui m'amènent. Alors par exemple, donc voilà, pour l'instant on va passer en journée pour pouvoir vous montrer les animations. Alors par exemple la 47, nous avons l'animation là de changer de chargeur qui je trouve ma foi plutôt cool et qui est plutôt ma foi puissant. Voilà, ça tire 10 balles. Ça fait 1 de dégâts. 1 de dégâts, vous imaginez quand même. Hein, c'est 10 balles. Ensuite, nous avons le désarrigueur. Quand on le charge, voilà, on voit en bas le fusil qui se met à charger. Donc. Là, on peut dire que c'est plus puissant que. Non, j'ai. Allez. Ah, ben voilà. Ben voilà, en un coup j'en ai touché deux. Voilà, donc on recharge pour après, comme ça je diminue un peu. Ensuite, lance grenade. Alors là, on peut en avoir jusqu'à 6. Voilà, et par exemple, on va se mettre en fly. Et là, je tire lance grenade, et voilà, et ça fait des flammes. Allez, du porc grillé là. Je veux du porc grillé. Grillez-moi un porc au barbecue. T'es pas mort toi? Bon alors, on va passer à cette arme là, le SO. Voilà, chargeur de 100 balles. Qui est ma foi plutôt puissante. Et là, nous avons une poule qui est partie toute seule dans la ferme. Voilà. Voilà qui passe bien. Et puis après on peut aussi utiliser pour faire quelques petites animations. Par exemple si vous cachez vous êtes caché derrière un bloc de terre et tout. Donc voilà, on va se mettre en condition. Imaginez que les blocs de terre sont des sacs. Sont des sacs de sable. Voilà. Et ben là, on peut se mettre comme ça. Regardez, vous avez vu avec les trucs qu'on dirait que c'est posé là. Ensuite, nous avons le fusil sniper, qui est peut-être mon second préféré. Voilà. Ah, il y a un certain style, hein. C'est un fusil de chasse.
là, avec une lunette x4, donc je peux voir 4 fois plus loin que normalement ce que je vais voir. Et voilà, alors nous allons aller chercher ce petit poulet. Waouh, j'ai raté. Alors le petit poulet, il va pas nous faire chier longtemps. Voilà, le cheval là, voilà, headshot, allez. Et je peux même faire des moustiques. Bon, 360, voilà. Et puis après, si par exemple vous savez mettre sur le mode sur des serveurs personnalisés, et bien vous pouvez faire des parties avec vos amis. Voilà, par exemple vous prenez chacun une arme, vous modifiez les armes comme vous voulez, et là bam, headshot. Allez, c'est pas parce que je sais pas parce que pourquoi je dis tout un headshot. Et voilà, ensuite le M16, et je crois que la vidéo va être un peu longue, donc je ne sais pas combien de temps ça fait. Donc voilà, le M16, belle animation aussi. Je vais pas tirer sur mes PNJ car j'y tiens trop. On va prendre un œuf de vache. Voilà. Non. On va prendre un œuf de golem de fer. Comme ça on peut tirer dessus. Tiens, c'est le facile. Allez. Voilà. Vous voyez, carrément on peut le faire voler. Voilà. Un chargeur de 100 balles et j'ai tué le golem de fer. Donc on va s'en prendre un. Ouf. Pardon. Voilà. On vide les balles. Voilà. C'est moins de 50 balles. Pourtant il a 100 points de vie censé. Voilà, c'est bon. Ensuite le minigun, il a bien sûr une impulsante animation assez jolie. On peut voilà comment ça donne quand on vit. Là voilà. Bon, c'est les munitions explosives, c'est normal. Là, par exemple, avec les munitions explosives, voilà. On peut, si vous voulez, écrire son nom. S. Ça va être long hein, si je dois écrire tout mon nom. SU, voilà. C'est cool. Ensuite, le Remington. Il est gigapon. Ouais. Et voilà, on charge, on voit. Si vous comptez bien, il y en a bien 7 sur l'animation. Et là, on va voir si 7 balles de Remington, ça suffit à tuer un PNJ. Et oui, ça suffit. Comme quoi, c'est une arme assez puissante. Ensuite, là, la dernière arme avant qu'on se quitte est le SAW M249. Allez, on va tester. Voilà, on recharge. Et là, voilà, on fait littéralement voler le golem de fer. Voilà, lui là-bas, il est pas mort. Et c'est bon, on a testé toutes les armes aussi. Hein. On fera plusieurs vidéos là, on a testé toutes les armes que je voulais vous montrer. Ensuite, dans le prochain épisode, je vous préparerai ça toujours sur la même map. On testera les tanks, enfin mes tanks préférés. Après, on testera aussi en même temps, si on a le temps, les avions. Et les tenues, ça sera pour plus tard. Et on testera aussi le mode custom NPC, voilà. Pour que je vous montre un peu comment ça fonctionne. Et je vais vous dire à la prochaine, les viewers. Allez, salut!